Alors, je suis Michèle Seng-Savong, je suis cofondatrice de la société Weston Mills et d'essai digital et brand content. Alors, ce qui m'a donné envie de travailler dans la création, c'était à l'époque dessin animé Dragon Ball Z. Le projet sur lequel on est le plus fier, c'est le projet Cindy Chow. Pourquoi ? C'est un projet international pour une créatrice taïwanaise de renommée. Et du coup, on a travaillé avec elle sur tout son dispositif digital, son site internet, mais aussi sa production vidéo et photo pour ses événements à Paris. On a shooté pour elle deux vidéos à Paris. Et aussi, on a shooté aussi ses produits lors de ces événements. Et du coup, on a au passage refait tout son site internet qui a eu un Honor Awards sur AWS Awards. Bah, Cindy Chow est un très bon exemple parce qu'elle était reconnue comme un prodige dans le monde de la haute joaillerie, parce que aussi c'est la seule femme et jeune marque qui est vendue chez Christie's et Sotheby's, alors que ces ventes ne sont faites à la base que pour des grandes marques de renommée. Donc elle a réussi à rentrer dedans, à avoir une place dans ses ventes aux enchères qui est difficile à atteindre en fait. De base. Ah oui, c'est vrai qu'elle est très inspirante. Déjà d'être une femme m'a beaucoup inspirée en tant que femme, mais beaucoup inspirée parce qu'elle est asiatique, elle s'ouvre à l'international, elle a une vision double du marché par rapport à ses produits, mais pas aussi par rapport à sa vision de leadership. Donc c'est très intéressant. Je dirais pas ça, mais je sais que, en tout cas, je fais beaucoup de choses sur lesquelles j'étais pas préparée au tout début en sortant d'IART. Donc maintenant, aujourd'hui, je suis cofondatrice de Weston Mills, je suis aussi maman, je suis un bon leader parce que j'ai une vision sur laquelle je partage à mes équipes et je les accompagne dans cette vision pour qu'ils, déjà, se fassent plaisir, déploient leurs ailes, apprennent et en même temps qu'on atteigne nos objectifs pour le client. Donc ça, je peux dire oui, en tant que femme, c'est important d'avoir cette carte de leader pour emmener ses équipes avec soi. Et derrière, avoir aussi une posture de leader.